Coucou, alors aujourd'hui je vais partager avec vous le tour de toutes les plantations que nous avons fait là pour le moment. J'ai pas tout planté. La semaine prochaine, il nous annonce une descente des températures à 7 degrés la nuit avec beaucoup de flotte parce que apparemment toute la semaine il va pleuvoir. Donc l'année dernière, je m'étais fait avoir avec les melons et les concombres qui en avaient pris beaucoup de pluie avec un peu de froid. Et ça avait pourri le collet, donc j'avais tout perdu. Cette année, tout est encore sous serre. Je n'ai absolument rien planté. J'ai dû en planter que deux parce que j'avais pas de place. Mais sinon, voilà, j'ai gardé le maximum de concombres, melons, les courges, les potimarrons, les patates douces, les céleris, le maïs. J'ai pas tout planté. J'ai aussi mes deux plants de pastèque ici. J'ai également le basilic que je n'ai pas fait non plus pour des raisons de. Pas forcément de très grand froid, mais c'est même si ça n'aime pas trop le froid, mais c'est surtout pour les attaques de gastéropodes. Donc on va en reparler d'ailleurs parce que c'est une catastrophe cette année. Voilà, donc du coup je planterai tout ça plutôt la semaine d'après les pluies, donc le 20, à peu près vers le 20 mai. Pour ce qui est des semis, on va en reparler tout de suite parce que ça va être très simple. Nous, en mois de mai, les semis, c'est haricots, salade, radis, carottes. Voilà, c'est à peu près tout. Les radis, c'est vraiment les derniers moments parce que c'est des cultures assez courtes. On les sème 20 jours après environ, on les récolte. Donc ça va le faire. Voilà, et puis on reprendra les semis pour l'hiver, plutôt courant de l'été. Donc voilà. Comment je procède? Ben voilà, donc on n'a plus qu'à faire le petit tour du potager et je vais montrer planche par planche ce que nous avons planté. Alors on va commencer par la planche numéro 1. Ici c'est des pommes de terre désirées. Et je vais mettre entre les rangs des godets de haricots en espérant que ça ne se fasse pas manger. Je vais essayer de les protéger avec des bouteilles en plastique au départ. Et puis on verra ce que ça donne. C'est la première année que je vais tester. Ensuite la planche numéro 2 c'est des choux kale avec des céleris et du cosmos. Donc j'ai sous-filé à cause des attises. Avec les chaleurs, j'ai peur que ça vienne assez rapidement. Donc je les ai déjà mis. Sauf ici parce qu'il y a les melons qui doivent arriver au pied de ces choux. Donc j'attends un peu. Mais voilà, donc là ça va être dans cette planche-là. Ça fait moitié chou kale céleri, moitié chou kale melon, et sur le grillage il y aura les haricots à rame. Ici c'est en attente pour l'instant. Je pense qu'il va y avoir les melons sur pratiquement toute la partie avec des haricots qui vont grimper et certainement aussi des maïs. Coucou Galak. Galak aime bien se mettre ici à l'ombre. Donc voilà pour le potager d'en bas. Pour le potager d'en haut, alors ici on y mettra les futurs concombres. Là au pied j'ai fait un rang de carottes, mais je ne sais pas si ça va sortir parce que avec les gastéropodes j'ai peur que ça soit mangé sur place. Ici on a notre ligne de tomates avec les œillets d'Inde. Donc pour l'instant il n'y a que ça. Je ne sais pas trop ce que je vais y mettre après. Je vais attendre un peu. Je vais réfléchir. Donc là c'est toutes ces deux côtés sont en attente de futures plantations. Au bout là-bas il y a les citronniers, on les a sortis et le mandarinier qui est là-bas. Donc les asperges qui n'ont pas trop donné cette année.
Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas si la terre est bien bonne, donc je pense que ça manque un peu de richesse du sol. Il va falloir qu'on remédie à ça. On en a déjà mis un peu du fumier, mais je pense qu'il faut qu'on continue. Alors ici, c'était normalement des pois gourmands, sauf que c'est le deuxième semis et ça se fait dévorer. D'ailleurs, vous le voyez, il y a encore des escargots qui passent malgré le filet. Donc on a des salades qui résistent pas trop mal aux attaques. Elles sont belles. Elles sont bien paumées. On commence à en manger de celles-ci. Mais là, au bout, c'est tout dévoré. C'est une cata. Donc cette année, les pois gourmands, je pense qu'on n'en mangera pas. Ici, on a une première récolte, enfin future récolte d'artichauts. Il n'y en a qu'un. Je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas donné encore. C'est les mêmes plants pourtant, mais bon, je pense qu'il y en a qui ont pris plus ou moins le gel. Et donc, ça va arriver plus tard, normalement. Donc, il y a toujours nos rosiers au bout des cultures là, qui poussent bien. La vigne, celle-ci, elle commence à bien pousser. On voit les futurs fruits. Alors, ici, c'est les petits pois. Donc, pas très en forme. Hein, on a eu beaucoup de pluie, bon ça en général c'est pas très grave, mais aussi beaucoup de froid. Du coup ils ont pris beaucoup de retard, ils se sont fait énormément grignoter, surtout là-bas au bout. Alors pourquoi là-bas au bout plus qu'ici? C'est parce que les escargots sont tous dans les artichauts et du coup ils sortent la nuit et viennent manger les premières cultures au bord. Donc bon, c'est comme ça. Et du coup là c'est le seul semis que j'ai fait, hein, j'en ai pas refait. Et bon, j'espère que ça va continuer à pousser parce que normalement l'année dernière on commençait déjà à en récolter, mais là là ils sont moitié moins grands, voire ouais même plus que ça, parce que quand on les récolte ils sont à peu près ici et là ils sont beaucoup trop bas. Donc je sais pas si cette année on va avoir beaucoup de récoltes. Au niveau des pois, je pense que c'est un peu mort. Au bord ici j'avais fait aussi une autre rangée de pois, mais ça se fait grignoter au fur et à mesure que ça pousse. Là on les voit, ça commence à pousser, mais ça se fait grignoter tout de suite. Donc bon, voilà. Je vais essayer de les protéger comme je peux. Et sinon ici on a aussi une ligne de betteraves, mais je pense pas que, je sais pas, ça a du mal à pousser. Pareil, ça doit se faire manger. Donc ici, ce qu'on a fait, donc là il y a le goji qui est attaché, ce qu'on a fait c'est qu'on a bien nettoyé, puis on a remis deux bacs comme ça. Je vais les remplir de terreau, je vais faire mes cultures de radis ici, parce que c'est facile à protéger des escargots et c'est beaucoup moins ensoleillé, donc normalement ça va tenir. Ici c'est normalement le semis de poireaux qui commence à pousser. Il faut beaucoup que j'arrose parce qu'il fait très très chaud ici, il fait 26. Là c'était de la roquette, ça s'est monté très vite à fleurs à cause de la chaleur, et des radis qui se sont fait dévorer, d'ailleurs vous les voyez déjà. Voilà, merci. Donc tout dévoré. C'est vraiment une galère. Bon bah, je vais le remettre là, de toute façon j'ai pas le choix. Les fraises, c'est tout en fleurs mais encore pas de fraises. Il y en a qui se dessinent, quelques-unes. Je suis désolée, j'ai mis mes lunettes parce que j'ai très mal aux yeux. En fait, juste pour vous dire que j'avais fait une vidéo il y a 2 ans sur comment un petit peu se protéger des attaques de gastéropodes. Et j'avais dit dans cette vidéo que ça dépendait beaucoup de la population que vous aviez dans le jardin et que certainement les conditions ne seraient pas les mêmes chez moi et chez vous et que ça ne marcherait pas forcément à 100%. Et bien voilà, maintenant je vous le dis, chez nous ça ne marche absolument plus du tout. Cette année on a eu beaucoup de pluie, on a une population énorme, je ne peux même pas imaginer les compter parce que c'est... Sur 1 mètre carré, on en a des centaines. C'est une catastrophe. Dès qu'on met un plant, la nuit, ça fait dévorer. On n'a même pas le temps de se retourner. Donc, cette année, malgré que j'ai été défavorable à mettre des petits granulés,
Cette année, j'ai pas eu le choix. Même avec les granulés, ça se faisait manger. Parce que moi, j'en mets pas énormément. J'en mets vraiment que le strict nécessaire et sous cloche, c'est-à-dire soit sous tunnel, soit sous filet. Vraiment protégé pour éviter que d'autres escargots viennent les grignoter, d'autres limaces, les hérissons, les chats. Même si je prends quelque chose qui est bio et certifié, j'ai bien regardé, normalement, il n'y a pas de souci pour la biodiversité, etc. C'est vraiment typique que pour les limaces et les escargots. Mais bon, je fais quand même attention parce que voilà, je me méfie quand même. Mais j'ai pas eu le choix. Voilà, j'ai pas eu le choix. Je tenais à vous le dire pour être transparente. Vous le savez, moi, je n'aime pas mentir. Donc jusqu'à présent, ça fonctionnait. Les choses que j'avais partagées dans cette vidéo fonctionnaient super bien. Cette année, ça ne fonctionne plus du tout. Et même les graines, je vous le redis, ça ne fonctionne qu'à moitié. Donc voilà, petite parenthèse fermée. On continue la visite du potager. Alors ici on est derrière les bambous, on a toujours les fèves, on les récolte toujours pas, il n'y a toujours pas de cosse. Vous voyez à quel point on est vraiment très en retard. Je pense qu'on est au moins un mois de retard sur l'année dernière, donc c'est énorme. Donc là elles sont bien en fleurs, elles sont bien poussées, mais bon, pas de récolte encore. Ici on a récolté tous les radis et j'en ai ressemé, mais les carottes et les lupins se sont fait littéralement dévorer, même avec les graines. Donc voilà, là il faut que j'en remette parce que je vois que les attaques ont recommencé sur mes semis de radis. Donc je vais devoir en remettre, sinon je récolterai absolument rien. Il y a les fleurs de framboisier qui commencent. Donc ces pieds-là sont plus anciens et du coup fleurissent et donnent des fruits avant ceux qui sont côté serre, là-bas, qu'on va aller voir. Donc voilà, donc ça va échelonner. Notre plan de figuier reprend du poil de la bête après avoir subi les gelées, mais vous voyez, attaqué par les escargots. Toutes les jeunes pousses, hein, même dans les fruitiers, se font attaquer par les escargots. Donc bon, ici c'est un pied de groseillier. Voilà. Donc ici c'est les jeunes plants de framboisier. Et donc eux, ils commencent vraiment tout juste à donner leurs boutons. On les voit par exemple ici. Au pied du cognassier, il y a des petits fruits. Alors c'est pareil, cette année, on a traité à la bouillie bordelaise tous les fruitiers, parce que uniquement, en tout cas ceux que je ne fais pas en perfusion. On a eu l'année dernière plein de maladies, donc cette année, vu que ça réitère au niveau du froid, de la pluie, etc., pluie, soleil, Ça amène beaucoup de maladies, donc j'ai décidé de faire une bouillie avant les prochaines pluies, donc au début de la semaine de beau temps, le temps que ça fasse effet. Hein. Ici on a du gingembre japonais qui repart, grignoté, mais qui repart, parce que lui il est assez vivace, hein, étant donné que ça fait longtemps qu'il est là, les attaques, il s'en fout un peu. Et puis juste à côté, on a une planche où on a nos salades. Et derrière, normalement, je devais avoir un semis de... de carottes, mais pareil, ça s'est fait dévorer. Alors partout où il y a des filets, enfin des protections, filets ou tunnels, en général je mettais des graines, mais vous voyez, ça n'empêche rien. Ici on a les tomates, c'est les premières plantations de tomates, donc elles n'étaient pas très en forme, c'est pour ça que je les ai mis très rapidement en terre. Dans le carré ici de potager perpétuel chez nos pods, ail géant, poireau perpétuel, on a aussi ici du persil et j'ai mis quatre, enfin à chaque bambou j'ai mis un plant de tomates. Dans le pot à treille, j'ai mis deux plants de concombre, c'est les premières plantations que j'ai faites parce que j'avais plus de place dans la serre pour mettre mes semis en godet. Donc du coup j'ai mis mes deux premiers plants en extérieur avec deux plants de cacahuètes qui me restaient et un plant de d'œillets d'Inde pour protéger en espérant que ça ne soit pas grignoté. Alors ici on a les semis que j'avais fait en mini-motte de betteraves qui poussent plutôt bien. Après au milieu j'ai mis des plants de tomates avec des plants de
de Yedan qui se font vraiment dévorer. Là, j'en ai remis une autre hier et il s'est fait dévorer autant que le premier. En une nuit, hein, c'est voilà, il n'y en a plus. Donc là, je vais préparer une bouteille. Je vais mettre une bouteille dessus, puis je vais mettre quelques graines un petit peu parce que pour faire barrière, parce que je pense qu'ils sont ici. Tous les escargots sont derrière là, dans les iris, et ils viennent toutes les nuits manger tout ce qu'il y a à proximité, un peu comme avec les artichauts là-bas. Ici, j'ai deux rangées de semis récents de carottes, et dans celui-là, j'ai mis mélangé avec des radis, parce que les radis, on en consomme beaucoup et on n'en a pas assez cette année. Ici, c'est les choux rouges avec de la blette et des cosmos. Bon, ils se sont fait bien dévorer, mais ça continue à pousser quand même, donc on verra. On verra si on s'en sort. Ici, c'est les courgettes, la planche à courgettes avec du maïs, et j'ai fait une ligne à côté du maïs de haricots beurre. Donc pareil, bah, il va falloir veiller à ce que ça ne se fasse pas dévorer dès que ça sort. Donc j'ai mis quelques graines, des granulés, mais je vois qu'il y en a déjà plus, donc il va falloir que, avant les pluies, que j'en remette. Et puis je bouche le trou là-bas parce que je crois qu'il y a un petit trou, j'ai pas envie qu'un chat passe. Ici, c'est une planche en attente, ça va être les patates douces, certainement avec d'autres choses, mais voilà, c'est principalement de la patate douce. Ici, c'est les patates tardives, fleurs bleues. Pareil, là où il y a des trous, je vais certainement rajouter beaucoup, faire un trou, mettre de la terre et mettre les godets de haricots, en espérant que ça ne se fasse pas manger, tout simplement. Donc voilà pour le tour du potager, je vais passer dans les serres. Dans la petite serre, aux côtés des oignons et de l'ail, ici j'avais des radis et des carottes. Les radis n'ont pas du tout poussé, c'est monté vite en graines. Bon bref, c'est une cata parce qu'on n'a pas beaucoup de luminosité à cause de l'autre serre qui est trop proche. Bref, les carottes, ça a l'air de fonctionner. Donc je les ai laissées et entre, j'ai mis des plants de concombres à confire. C'est des tout petits concombres, c'est la première année que je le fais. Donc voilà, je les ai suspendus sur des fils. Donc je vais faire grimper le long du fil et puis on verra comment ça se comporte. Et ici j'ai toujours mon plan d'estragons vivaces que j'ai mis là mais qui a subi des attaques fulgurantes d'escargots. Donc j'espère que là il commence à repartir, donc j'espère que ça va le faire. La mertensia c'est pareil, j'ai récupéré deux pauvres plants, je les ai enlevés, j'ai mis en godet parce que là ça se faisait tellement manger que j'ai tout perdu. Il me reste plus que deux plants, donc j'ai vraiment sauvegardé ça. Et voilà, sous serre. Donc je vous passe tous les godets, hein. C'est comme je vous l'ai dit au début, hein, ce sont principalement des concombres, des courges, maïs, melons, enfin bref, plein de choses comme ça, hein. Je vous le dis pas, je vous le dis juste ce que j'ai planté ici. Donc ici c'est un plant de tomates qui en fleur glacier, c'est le premier semis de tomates. Au pied j'ai mis les culture de cacahuètes avec quelques oignons qui me restaient là et puis un plant de marjolaine, et de l'autre côté pareil cacahuètes avec un plant d'aubergine, et au fond ici c'est de l'origan libanais. Donc ici c'est des plants qui me restent, ça c'est les deux plants de mertensia, vous avez vu l'état, je sais pas si je vais arriver à les récupérer, on verra. Et donc ici pareil, on a des attentes de plantes à planter qui commencent vraiment à en avoir marre, hein. Ils sont énormes mes concombres, mais j'ai vraiment trop peur de les mettre, donc on va les laisser. Ça c'est les melons, et puis là tout ce que vous voyez pas c'est les semis récents de haricots, voilà, haricots arames, haricots nains et haricots serpents. Donc ici ben, c'est tout pareil, hein. Ça n'a pas bougé, j'ai toujours le plant de concombre qui commence à faire un fruit ici, mes tomates pareil qui commencent à faire des fruits, fleurs, et puis pareil pour les aubergines, voilà, tout le long. Le kiwi, le jeune kiwi qu'on a planté récemment, il pousse très bien, et l'autre ben, il continue sa pousse dans le grillage, c'est très très bien, j'espère que il va fleurir cette année parce que je vois pas trop de fleurs, mais peut-être qu'il a pris un peu de retard,
avec la fraîcheur. Je sais pas, on verra. Les carottes qui se portent plutôt bien ici. Par contre, les petits pois que j'avais semés, c'est une cata. Même pas j'en parle. Ils sont fait dévorer. Et une autre chose, c'est qu'ici, on a des galeries de rats aux pieds. Donc, tous les jours, je suis obligée d'appuyer sur les plants pour éviter qu'ils prennent trop l'air sous les racines et que ça fasse pourrir le plant. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. C'est possible qu'on perde tout en espace d'une nuit. Donc, bon, on croise les doigts, on verra bien, c'est comme ça. Et là, il me reste encore des plants de tomates au cas où il y aurait un problème, parce qu'on attend un gros orage demain. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai sécurisé, on verra. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont laissé un super message suite au décès de notre petit bébé Whisky. Voilà, donc merci infiniment. Je ne vais pas aller trop loin parce que sinon je vais me mettre à pleurer, donc je vais arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça nous a beaucoup touché. J'ai pas pu vous répondre parce que je suis encore un petit peu sensible sur ce sujet, donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et j'espère à très bientôt. Bisous.